Quelle vue! Le mur des Lamentations, l'église du Saint-Sépulcre et le dôme du Rocher. La vieille ville de Jérusalem, point de mire de trois grandes religions. Les Israéliens la prennent en 1967, et en raison de sa valeur symbolique d'ancienne capitale des rois David et Salomon, l'incorporent à leur capitale actuelle, provoquant la colère et l'hostilité soutenue des Arabes. Après la mort de Salomon, dit la Bible, Israël s'est divisé en deux royaumes. Mais l'époque où David conquit Jérusalem et où Salomon construisit le temple, le 10e siècle, s'appelle la monarchie unifiée. Jérusalem était alors la glorieuse capitale de tout Israël. Le temple de Salomon n'existe plus depuis longtemps, mais il n'a jamais été oublié. Il était érigé sur la montagne où Abraham était prêt à sacrifier son fils. De nombreuses religions tiennent Jérusalem pour sacrée. Aujourd'hui, certains spécialistes disent que Salomon n'a jamais existé et que Jérusalem n'a jamais été la capitale du royaume d'Israël. Nous n'avons aucune preuve archéologique d'une monarchie unifiée sous David et Salomon, telle que la Bible la décrit. Il n'y a quasiment aucun vestige du Xe siècle, ni de témoignage de Salomon. Jérusalem était probablement un village très pauvre, ou une toute petite ville. Si on regarde toutes les fouilles menées à Jérusalem depuis plus d'un siècle, un site pourtant étudié en profondeur, on trouve à peine une ou deux poignées de tessons qu'on puisse dater du Xe siècle, dit période salomonienne. Cela tendrait à prouver qu'il n'y avait pas de ville ici. Toutefois, parler de témoignage ou d'absence de témoignage comme preuve est ridicule. Des fouilles sont faites actuellement à Jérusalem, et je ne pense pas que l'archéologue qui a fait ces fouilles me contredirait si je dis que dans toutes ces excavations, même en creusant de haut en bas dans les débris, il n'a jamais trouvé un seul tesson byzantin. Or, nous savons que Jérusalem était une grande ville à l'époque byzantine. Qu'il n'en ait trouvé aucun vestige dans ces fouilles, signifie-t-il qu'il n'existait pas de ville byzantine? Bien sûr que non. Mais à 65 km d'ici se trouve une mosaïque byzantine représentant une carte de la ville. Le problème avec la Jérusalem de David, c'est qu'elle n'est mentionnée nulle part, sauf dans la Bible. Il n'existe qu'une seule référence aux Israélites en Égypte. Un témoignage sur la façon dont le pharaon Merneptah a écrasé toute opposition dans les autres pays. On le date en général de 1200 avant Jésus-Christ, vers l'époque où les Israélites devaient être en train de conquérir Canaan. Le peuple d'Israël est ravagé, il est sans enfants. La Palestine est devenue une veuve pour l'Égypte. Si nous n'avions pas la Bible, nous penserions que Merneptah a attaqué d'étranges Cananéens appelés peuple d'Israël, ce qui signifie adorateur d'elle leur dieu principal, et les a balayés. On ne retrouve plus aucune mention du mot Israël pendant les 350 ans suivants. L'histoire de la Bible est totalement différente, bien sûr. Au lieu de dire que les Israélites ont été détruits par Pharaon, elle explique qu'ils ont conquis un grand royaume dirigé par le roi David depuis Jérusalem. Si vous cherchez David à Jérusalem, vous le trouverez partout. C'est ici sa ville. La cité de David, Sion, qui a donné son nom au sionisme, le mouvement politique à l'origine de la création de l'Israël moderne. La cité de David est le fait d'une montagne d'environ 200 mètres par 600. Cette partie de Jérusalem était sous domination arabe jusqu'en 1967. Aujourd'hui, une colonie sioniste s'y est installée. Nous sommes à l'endroit exact où s'élevait l'ancien palais du roi David. Pour l'essentiel, la Jérusalem de l'époque biblique était une colline entourée d'énormes montagnes s'étendant vers le sud. Et juste au-dessus de nous, au nord, c'est le mont du Temple, où était érigé le Saint-Temple.
Il y a une raison politique à votre présence sur ce site très important pour les Juifs et pour l'histoire d'Israël, car cela enlève des terres aux Arabes. Protégez-vous le mont du Temple? Je dirais que oui. Vous devez comprendre que le fait que le mont du Temple soit ici et que ceci en soit le corridor d'accès joue un rôle majeur dans les politiques de future colonisation. Mais le site a surtout une grande importance historique et archéologique. Archéologie et politique vont de pair. Ces colons juifs financent les fouilles menées sous leurs pieds par le département israélien des Antiquités à la recherche de la preuve que David et Salomon ont régné sur Israël depuis le mont Sion. Pourquoi est-il important que vous puissiez prévoir, quand vous en aurez les moyens, de creuser pour trouver le palais? Je peux facilement regarder en bas et voir les limites de la cité de Jérusalem de la perspective du roi David. Je peux l'imaginer assis dans son palais, rédigeant le livre des psaumes, et je peux comprendre ce qu'il décrit. Mais il y a encore tant de choses que nous ne comprenons pas sur le fonctionnement de la cité et la vie de ses habitants qu'à chaque fois que nous plantons une pelle dans le sol, nous remontons de nouveaux témoignages et de nouveaux passages de la Bible prennent vie. Peut-être ce siège de toilette du 8e siècle avant Jésus-Christ illustre-t-il le deuxième livre des Rois, chapitre 18, verset 27. Je regarderai plus tard. Il était dans une maison construite dans cette structure beaucoup plus ancienne et massive, probablement la forteresse dont parle la Bible. David s'empara de la forteresse de Sion. David s'établit dans la forteresse et l'appela la cité de David. Et David construisit tout autour. La forteresse semble dater de 200 ans avant David. Elle existait donc à son époque. Et quelques fragments de poterie de son temps ont été trouvés dans la structure. Mais aucune trace de la cité de David. Les seuls nouveaux bâtiments découverts sont du 8e siècle, 200 ans après lui. Les colons attendent des nouvelles fouilles qu'elles complètent ces fragments en apportant la preuve concrète de la présence des Israélites à Jérusalem au Xe siècle. Nous sommes à l'extérieur de la cité de David. La cité est là. Nous sommes devant le mur extérieur et nous ne pouvons pas y grimper. La question est, à quelle époque cette enceinte protégeait-elle la cité de David? Aurait-elle pu être construite par David ou Salomon? Non, parce que nos fouilles au sommet du mur et derrière lui, à l'intérieur de la cité, n'ont révélé que des poteries datant de 2 siècles après David et Salomon, du 8e siècle. Je vois. C'est le problème dans toute la cité. La Bible dit qu'aux alentours de 1000 ans avant Jésus... Je vois. C'est le problème dans toute la cité. La Bible dit qu'aux alentours de 1000 ans avant Jésus-Christ, le roi David s'est emparé de Jérusalem. Selon le livre de Samuel, ses troupes sont entrées par un caniveau ou une conduite d'eau. C'est incroyable, Ronnie. Quel est cet endroit? Nous sommes sous terre, dans un tunnel creusé par l'homme. Nous allons vers la source où l'on puisait de l'eau en secret. Elle a été creusée au 18e siècle avant Jésus-Christ par les Cananéens. Il existait donc environ 800 ans avant l'époque supposée où le roi David a conquis la cité. Oui, si on se fie aux poteries, et c'est notre seul moyen de savoir, il n'existe pas le moindre tesson près de la source, ni dans son proche voisinage. Jusqu'à présent, les fouilles n'ont pas ramené le moindre fragment datant du 10e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'époque de David. Nous sommes donc en présence d'un conflit entre les textes et les découvertes archéologiques. Ce sont les colons juifs qui financent vos fouilles, Ronnie, mais vous n'avez pas trouvé la cité de David. Sont-ils satisfaits de votre travail? Nous ne cherchons pas la cité de David ni les traces du roi David pour eux. Nous dégageons tout ce qui se trouve ici. Je sais que nous avons un problème. Nous, les archéologues et les spécialistes de la Bible, nous avons un problème avec la présence des Israélites. Nous avons des preuves de celles des Cananéens du 18e siècle et de celle des Israélites du 8e siècle, un millénaire plus tard. Mais entre les deux, nous n'avons rien. Au 10e siècle, personne n'a cassé un seau ou un plat de cuisson en terre cuite, ce qui est très difficile à accepter car dans l'Antiquité, on brisait d'énormes quantités de poterie. S'il n'y a rien du 10e siècle, cela signifie qu'il n'y avait personne près de cette source à cette époque.
C'est déroutant. L'histoire chrétienne dit que Jésus était un descendant de David. Voici la cité sur laquelle David et Salomon régnaient il y a plus de 3000 ans. Aucune trace de présence israélite? Pas de David? Pas de ville sainte? À la mémoire du général de division Shlomo Goren, premier grand rabbin des forces de défense israéliennes et grand rabbin d'Israël, chef des libérateurs du mont du Temple et du mur des Lamentations. L'histoire des anciens Israélites conquérant le pays en tant que peuple élu du Dieu unique n'est peut-être pas vraie. Mais lorsque les Israéliens prennent Jérusalem en 1967, au nom de cette histoire, des soldats qui n'ont jamais montré d'intérêt pour leur religion fondent en larmes en arrivant au mur. C'est un site symbolique. Mais certains spécialistes affirment qu'il n'y a pas eu de ville judaïque ici avant le 9e siècle avant Jésus-Christ, quand c'était la Judée, pas du tout Israël. Leur affirmation a une grande signification politique, qu'ils le sachent ou pas. Si la question est quand devient-elle la capitale d'Israël, elle ne l'a jamais été. Alors en réalité, Jérusalem est devenue la capitale d'un État appelé Israël en 1967. Peut-on dire ça? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est la première fois que l'ancienne ville de Jérusalem est associée à un État du nom d'Israël. Il n'est pas étonnant que les sionistes trouvent ce genre d'affirmation très dangereuse. Je ne pense pas qu'ils tentent vraiment de menacer l'existence de l'État. Ils fournissent des armes et des munitions à ceux qui veulent lui retirer sa légitimité. L'archéologie est un grand puzzle. Et même si vous dites que je n'ai pas trouvé telle ou telle pierre, il en reste largement assez pour reconstituer le tableau. Les archéologues disent souvent qu'absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Ce n'est pas parce qu'ils ne trouvent pas de témoignage que Jérusalem était la capitale du roi David qu'elle n'existait pas. Peut-être est-ce un problème général. Peut-être est-il difficile de trouver des traces de qui que ce soit si longtemps après. J'ai donc vérifié. Le peuple de David est absent. Et celui de Goliath ? Quelques années après que le pharaon Merneptah ait dit qu'il avait détruit les Israélites, son successeur Ramsès III doit gérer une invasion massive de peuples de la mer. Parmi eux, il y a les Philistins. Ils finissent par s'installer sur la côte cananéenne. Larry Steger creuse sur un de leurs sites, Ashkelon. Bizarrement, il n'a pas eu le même problème. Nous cherchons des Philistins ? Les voici. Nous sommes sur la côte. C'est un monde ici totalement différent. C'est un monde cosmopolite. Les gens qui vivaient ici vivaient dans des villages agricoles. Nous avons de nouveaux éléments qu'on n'a jamais vus. Si on s'en tenait aux découvertes, on serait obligé de dire qu'au temps de la monarchie unifiée, Jérusalem n'était pas grand-chose, alors qu'Ashkelon était une cité prospère. Les Philistins étaient apparentés aux Grecs. Nous avons des poteries peintes qui remontent à l'époque des Grecs mycéniens. Nous trouvons également à Chypre, ici, ainsi que dans certaines parties du monde grec, des omoplates de vaches qui ont été incisées. Il peut y avoir 30 ou 40 incisions. Et elle servait comme instrument de musique. C'est encore une chose que l'on trouve chez les Philistins, mais pas dans les cultures environnantes. Cette découverte que les Philistins viennent de la Grèce antique, le monde décrit par Homère, donne du sens à certains points de la Bible qui semblaient déconcertants. Si on prend l'histoire de David et de Goliath, David, bien sûr, ne porte pas d'armure. Il n'a pas de casque, à l'inverse de Goliath. Nous savons que les Cananéens et les Israélites n'avaient pas de casque.
mais que les Grecs en avaient. Goliath est essentiellement un guerrier mycénien. Il porte une pièce que les Cananéens et les Israélites ne porteraient jamais. Il a des protège-tibias, et ils sont en métal. Est-ce concevable? Aurait-il ainsi été équipé? Nous disposons du vase des guerriers de Mycène, et ces guerriers portaient des casques et des protège-tibias. Il est impossible que quelqu'un puisse suggérer autant de détails précis sur eux comme nous en avons dans la Bible sans avoir des sources fiables. En fait, les fouilles nous ont appris une chose que nous n'avions jamais envisagée. La plupart des gens ont dans l'idée que les Philistins, dans l'acceptation actuelle du terme, étaient des gens grossiers et des rustres. Eh bien, nous découvrons qu'ils étaient très sophistiqués, des citadins, avec une culture cosmopolite. Là-bas, il y a une grande cuve en calcaire. Ah oui. Eh bien, cette cuve servait de baignoire. On avait connaissance de baignoire dans le monde mycénien, à Chypre, mais on n'en avait jamais vu dans cette région jusqu'à l'arrivée des Philistins. Quand on pense au personnage biblique de Goliath, c'était un véritable géant. La baignoire que vous venez de trouver n'a pas l'air très grande. Puis-je voir sa taille? Bien sûr. Pour avoir une idée. Je suis petit, alors je ne pense pas que... Oh, remarquez, ça irait. Pas mal. Pas mal. Plutôt pour un personnage comme David qui est censé être petit. Ou plutôt pour Dalila. Ces Philistins commencent à m'impressionner. Prendre son bain au soleil, ça devait être parfait. C'est un endroit superbe pour prendre une leçon d'archéologie, Larry, merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. On peut la remplir maintenant. Je crois qu'il faut que je m'en aille. Merci. Si nous ne savons rien de la vie dans la Jérusalem du Xe siècle, il existe tant de traces des Philistins que nous pourrions même goûter leur cuisine. Vous voyez, John, cette jarre philistine, nous l'appelons jarre de cuisson, parce qu'elle n'a qu'une seule anse. On peut verser tout ce qu'elle contient, et elle a un fond plat, ce que nous appelons une base en forme d'anneau. Oui. Elle est très différente des poteries cananéennes. Voici un récipient de cuisson cananéen. Bien sûr, il a été reconstitué à partir de toutes les petites pièces qu'on a retrouvées sur le site. Mais le résultat final est un récipient de cuisson typique de la période des Philistins. On voit qu'il est très ouvert. Complètement différent de la jarre philistine. À fond rond. Si on essayait pour voir comment les Philistins préparaient leur repas dans ce pot. Essayons. Franchement, je ne suis pas sûr que nous allons goûter, mais on verra. Right. C'est très chaud. Vous voyez, on place le pot dans le feu d'une manière très différente des Cananéens. Il est enterré dans la cendre. De telles jarres n'ont jamais été utilisées en Israël avant l'arrivée des Philistins. Si seulement il y avait des preuves aussi concrètes des Israélites à Jérusalem, ou n'importe où. Il se passe quelque chose, ça bouillonne là-dedans. C'est d'un vert sinistre. C'est assez chaud? Pas terriblement. Vous pouvez la tenir? Oui. Vous voulez un peu de viande? Je vais peut-être goûter la soupe d'abord. À vous le privilège. À vous l'honneur, après tout, c'est vous l'archéologue. Oui. Ce n'est pas par l'acheter, honnêtement. Ça manque sûrement de sel. Vous devriez goûter, c'est délicieux. C'est vrai. Plus on découvre de détails sur les Philistins, plus l'Ancien Testament semble précis à leur sujet. Ils nomment même le site où nous cuisinons, Ekron, et ce nom a été trouvé ici sur une inscription. Mais la Bible décrit les Philistins comme ayant toujours vécu dans la région, alors qu'en réalité, ce sont de nouveaux envahisseurs. Aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ, au temps de la guerre de Troie, la Méditerranée orientale est en plein chaos. Des populations entières se déplacent. Les Égyptiens subissent les attaques des peuples de la mer. La colonie philistine de la côte cananéenne fait partie de cette mouvance. Jusqu'alors, Ashkelon était une ville cananéenne. Quelque part entre 1200 et 1150, les Philistins se sont installés. C'était une nouvelle culture qui s'imposait à l'ancienne. Parfois, ils allaient jusqu'à brûler les premières cités cananéennes. En fait,
de nombreux spécialistes pensent que les Israélites étaient des réfugiés cananéens, des bergers installés dans les collines à cause du désordre dans les plaines fertiles. Lors de ce grand bouleversement, il n'y a pas de doute qu'il y a eu des difficultés économiques qui ont obligé les groupes de bergers à s'installer et à produire leurs propres semences. Je vois donc la naissance du premier Israël comme faisant partie du tableau plus général des événements ayant eu lieu en Méditerranée orientale. Cet argument est basé sur les découvertes faites dans les colonies rudimentaires des collines, qui semblent être les premiers sites israélites. Les poteries des maisons cananéennes sont israélites. Les jarres de cuisson, dans leurs maisons à quatre chambres caractéristiques, ont le col évasé et le fond rond. Elles sont conçues pour la cuisine cananéenne. Mais il n'y a rien de tout ceci à Jérusalem. Aucune trace de quiconque y cuisinant quoi que ce soit au Xe siècle. Ce qui a amené certains spécialistes à affirmer que de grandes parties de l'histoire des Israélites étaient complètement mythiques, y compris l'existence même du roi David. Jusqu'en 1993. À l'époque, Avraham Biran, archéologue israélien chevronné, fait des fouilles à Tel Dan, l'antique cité de Dan à l'extrême nord d'Israël. Notre géomètre faisait un relevé de ces murs. Il faut toujours faire des cartes avant de terminer. Et alors que nous marchions par ici, elle a crié soudain « Je crois qu'il y a une inscription ». Ah oui ? Je me suis approché, j'ai regardé. Et c'était vrai. Et la voici. Les rayons du soleil illuminaient cette pierre de basalte, les lettres étaient nettes. Et j'ai dit, on voit le mot Meller, roi. Meller, Beth David, roi de la maison de David. Vous voyez, sur le premier site, on n'a pas trouvé d'inscription. Sur le deuxième, on n'en a trouvé aucune portant le nom de David. Et ici, il y en a une qui a été faite environ 100 ans après le règne de David. Et certains spécialistes de la Bible maintiennent qu'il n'y a pas eu de monarchie unifiée, que David et Salomon n'ont pas existé. Cette découverte bouleverse toute leur théorie, et ils se sont sentis obligés de la contester. Quelqu'un a été jusqu'à dire que c'était une imposture. Malgré tout, la plupart des spécialistes reconnaissent aujourd'hui l'existence du roi David. Mais roi de quoi exactement ? Le défi à l'histoire biblique demeure. Si David avait été un roi important, on en aurait trouvé des traces dans certains documents historiques contemporains, dans les textes assyriens, ceux d'Anatolie, d'Égypte. Si c'était un si grand personnage, on serait certainement tombé sur lui. Quant à Salomon, son successeur, il était censé être un plus grand personnage encore. Je vais donc partir à sa recherche. Ce n'est pas facile. Quel que soit l'endroit où on le cherche, on trouve quelqu'un d'autre. Comme otage à Beyrouth, j'ai été victime d'un ancien conflit. En captivité, j'ai lu la Bible deux fois. Les batailles qui y sont livrées pour le droit à la propriété de la terre d'Israël éveillaient un écho très précis en moi. Mais en faisant cette série, j'ai découvert que le passé lui-même est un champ de bataille. Jusqu'à présent, j'ai appris que malgré ce que dit la Bible, les preuves indiquent que les Israélites ne sont pas venus d'Égypte pour conquérir Canaan, qu'ils sont issus de la population locale et qu'il n'existe aucune trace d'une cité à Jérusalem au temps de David et de Salomon. Si certains n'acceptent pas qu'il y ait eu une cité salomonienne à Jérusalem au Xe siècle, c'est parce que c'est dans la Bible. La Bible est suspecte. Jérusalem était probablement un village pauvre. Pour beaucoup d'Israéliens, la Bible hébraïque est le socle de l'État actuel. La remettre en question, c'est remettre en question le droit à l'existence d'Israël. Il n'y a quasiment aucune preuve pour le Xe siècle. Dire que l'absence de preuve est une preuve est ridicule. N'utilisez pas la Bible, laissez-la chez vous, vous y viendrez plus tard. Si on travaille sans la Bible, tout ce qui reste, ce sont des ossements, des peaux et des plats. À quoi ça sert ? La querelle au sujet de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas dans la Bible peut briser la vie des gens. C'est pourquoi je suis venu ici, aux mines du roi Salomon.
Nous voici donc aux mines du roi Salomon. Puis-je vous corriger ? Ce sont des mines, mais ce ne sont pas celles du roi Salomon, ni ici, ni ailleurs dans la région. La Bible décrit l'ère du roi Salomon comme le seul moment où un roi israélite a régné sur tout le pays et qu'il était en paix. La paix régnait sur toutes ses frontières. Et Judée et Israël vécurent en sécurité, chaque homme sous ses vignes et son figuier, sous le règne de Salomon. C'est Benno Rottenberg qui a commencé à ébranler le mythe lors de ses fouilles à Timna, à l'extrême sud d'Israël. Les mines qui s'y trouvent étaient censées avoir donné à Salomon sa fabuleuse richesse. Les mines du roi Salomon sont une histoire merveilleuse. Là, vous voyez un sanctuaire ou un temple bâti par les expéditions minières égyptiennes. Mais il ne date pas du Xe siècle, de l'époque salomonienne. Il est du XIIIe ou du XIIe siècle, parce que la poterie de bronze est plus tardive. Et c'est là que mes problèmes ont commencé. Parce que je disais, directement ou indirectement, qu'il n'y avait pas de roi Salomon dans la région. Il y a eu une conférence à Eilat en 1962, tous les archéologues étaient présents, mais on ne m'a pas permis de parler. Ce qui est bizarre, c'est que les mines du roi Salomon n'apparaissent même pas dans la Bible. Cette histoire date du XIXe siècle. Mais cela a été pris comme une attaque contre le roi Salomon lui-même, et l'establishment a fait taire Rottenberg. Ça allait à l'encontre du concept d'archéologie biblique. Et puis ils me détestaient parce que je réussissais à le prouver grâce à des milliers d'objets, des découvertes faites dans le temple, y compris des inscriptions. Il n'y avait pas de discussion possible, parce que les noms des rois remontaient à des centaines d'années avant le roi Salomon. J'ai dû quitter les universités d'Israël et partir à l'étranger à cause de cette situation personnelle impossible. Mais le climat a changé, et Benno Rottenberg est de retour en Israël. C'est le roi Salomon qui aujourd'hui est sur la défensive. Nous n'avons aucune preuve de l'existence du roi Salomon et de son royaume. Aucune source écrite ne mentionne Salomon. Aucun texte contemporain ne le cite. Et pour autant que je sache, il n'est mentionné dans aucun texte contemporain étranger. Voici Megiddo, une ville dont la Bible dit qu'elle a été reconstruite par Salomon. Lorsque ces structures ont été déterrées dans les années 30, on les a identifiées comme les écuries du roi Salomon. Premièrement, elles n'appartenaient probablement pas à Salomon. Et deuxièmement, ce n'étaient probablement pas des écuries. Ça ressemble à des abreuvoirs. D'après vous, qu'est-ce que c'était ? Ces écuries nous posent des problèmes. Il n'y a pas de système de drainage dessous, aucun moyen d'acheminer le fourrage et l'eau nécessaire aux chevaux sans un énorme investissement en travail. Et la plupart des abreuvoirs sont incomplets. Les extrémités sont brisées, des canaux y sont creusés, et celui-là a même un rapport avec des poids. Alors comment un archéologue explique-t-il ce site ? Dans la mesure où nous n'avons pas trouvé le moindre os de cheval, nous cherchons une sorte de liquide visqueux qui ne coulerait pas des abreuvoirs cassés. Probablement quelque chose qui devait être moulé en rondelles, qu'on pouvait traiter dans l'un de ces abreuvoirs et peut-être découpé en galettes, puis envoyé à l'exportation sans récipient d'argile. Quelque chose comme de l'opium me vient à l'esprit. Vous pensez donc que les anciens rois israélites étaient en fait des trafiquants de drogue ? C'est le scénario qui comblerait mes vœux. J'espère vraiment que c'est le cas. Nous avons des preuves de l'exportation de drogue de cette région durant l'âge d'or de l'Empire assyrien, donc ce n'est pas totalement fantaisiste. Il y avait du pavot dans la région. On en voit sur cette monnaie juive tardive. Si ce n'était pas Salomon, alors qui a bâti ça ? Ce site en particulier, ces écuries, sont d'une période qu'on attribue en général au 9e siècle avant Jésus-Christ, plus ou moins contemporaine d'Akab. Le lendemain, je me trouvais sur un autre site de fouilles, l'antique cité d'Atsor, quand une découverte très surprenante a été faite, datant de la même époque que ces abreuvoirs de pierre. C'est une belle pièce.
Regardez. Nous n'en avions trouvé qu'une seule comme ça depuis toutes ces années à Hatzor. Mais c'est difficile, on ne va pas la nettoyer maintenant. On va la sortir. Est-il possible que ce soit une pipe? D'après la Bible, le roi Salomon a reconstruit trois villes, Gezer, Hatzor et Megiddo. Dans les années 50, un archéologue israélien a découvert des portes monumentales dans les trois villes et a annoncé que c'était les portes du roi Salomon. Voici celle d'Hatzor. Et celle de Megiddo. Mais celle-ci, Salomon se la voit confisquer. David, c'est donc la porte du roi Salomon, comme on l'appelle ici, à Megiddo. C'est vraiment sa porte ? Il y a un problème, parce que cette porte fait partie d'un mur d'enceinte bâti à une date ultérieure. Il est de la période plus tardive de la monarchie israélite, de la fin du 9e ou même du 8e siècle avant l'ère chrétienne, bien après Salomon. La porte a été construite en même temps que le mur, c'est très évident. Par conséquent, elle est plus tardive. Le roi Salomon se retourne probablement dans sa tombe quand il entend qu'elle lui est attribuée. Bon, il a perdu ses écuries et il a perdu sa porte. Mais il n'a pas encore perdu son palais. En fait, ceci est un palais, et assez grand. Il fait environ 30 mètres de long sur 20 mètres de large, ce qui en fait un grand bâtiment. Une partie a été déterrée par Yigal Yadin dans les années 60. Oui. Il l'a identifié comme un palais, à juste titre, et il l'a daté du temps de Salomon. Il avait raison ? D'après ce que je comprends, il a été bâti au début du 9e siècle, au temps du royaume du nord d'Israël, à l'époque où il était dominé par la Samarie, probablement sous le règne du roi Akab. Encore Akab, le roi des écuries, du laboratoire d'opium, roi des portes et roi du palais. Mais qui est donc le roi Akab? Selon la Bible, Salomon était un roi très particulier. Le Seigneur apparut à Salomon en rêve et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon demande le pouvoir de juger. Le jugement de Salomon est légendaire. Pour reconnaître la vraie mère d'un bébé, il ordonne qu'il soit coupé en deux. Le bébé reste entier. C'est le royaume qui est coupé en deux. Bon juge, mauvais souverain. À la seconde où il meurt, le royaume se divise. Environ 50 ans plus tard, Akab prend les rênes du royaume du Nord, appelé Israël ou Samarie. Et si ce que disent Finkelstein et Ussiskind est vrai, l'empire de Salomon, dirigé depuis Jérusalem au Xe siècle avant Jésus-Christ, devient une fable, une invention. Ces blocs de pierre massifs ont été mis là pour Akab et son père, Omri. Au temps de Salomon, d'après Israël Finkelstein, le roi de Megiddo se contentait de briques de boue et de gros cailloux. En effet, cette ville est de la période de David et de Salomon. Toutefois, ce n'est pas une cité de David ou de Salomon. Nous sommes à la toute fin du monde cananéen. Il n'existe pas vraiment d'État au Xe siècle, bien qu'il soit toujours possible d'arguer en faveur d'un État dont le centre se serait trouvé à Jérusalem. C'est très difficile. Bien sûr, personne ne douterait du royaume de Salomon s'il y avait des vestiges de son palais et de son temple à Jérusalem. Mais il n'y en a pas. Nous n'avons pas une pierre du temple de Salomon. Nous en avons des descriptions, mais pas une seule pierre. Le temple de Salomon aurait dû être le cœur de son royaume. Mais on ne peut même pas le chercher. Si certains vestiges sont enfouis sous le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, ils ne risquent pas d'en sortir. Qu'est-ce qui a convaincu certains archéologues que les beaux bâtiments que l'on pensait dater de Salomon appartiennent en fait à une période plus tardive? Ce sont les poteries qui donnent la réponse. Jusqu'en 1990, on croyait que si on trouvait ce type de poterie sur un site, on contemplait un objet fait au temps du roi Salomon. Pourquoi?
principalement parce qu'on les trouvait dans les vestiges de bâtiments dont tout le monde pensait qu'ils avaient été construits par Salomon. Mais en 1990, David Ussiskin commence à creuser à Tel Jezreel, à quelques kilomètres de Megiddo, le palais d'été d'Akab et de sa femme. Jezreel était la forteresse principale des rois Omri et Akab. Il est évident que c'était leur centre militaire principal. On voit qu'elle est bâtie sur une position très dominante. Elle surplombe la route principale et la vallée de Jezreel. Ce sont les premiers rois israélites dont les noms apparaissent en dehors de la Bible. Les inscriptions décrivent Omri et son fils Akab comme les oppresseurs des Moabites. Et Akab fait partie de la liste des ennemis les plus puissants des Assyriens. Ils ne sont pas aussi célèbres que Salomon, mais vous connaissez peut-être la femme d'Akab, Jézabel. Elle apporta la ruine à tout le monde, et par le fait même, elle fournit la preuve qui a tellement déconsidéré Salomon. Ses enfants de Jézreel écoutent l'histoire biblique de ce que Jézabel fit à Naboth. Il possédait une vigne proche du palais. Akab convoitait cette vigne. Naboth ne voulait pas la lui vendre. Pour remonter le moral de son mari, Jézabel fit exécuter Naboth sous de fausses accusations et le roi reçut sa propriété. Pas très sympathique. Il n'y a plus de vigne aujourd'hui, mais il y a des preuves de leur existence près du palais. En fouillant le site, les archéologues découvrent dans cette grotte des récipients pour le vin, de vieilles jarres. Théoriquement, on pressait le raisin derrière moi. Le jus coulait à travers ces pierres, puis on le récupérait et on l'entreposait ici. La Bible reflète un sentiment d'indignation. Environ un mois plus tard, Akab est tué dans une bataille, et peu après, Jézreel est détruite. C'est la fin de Jézabel. Le souverain assyrien, Shalmaneser III, a consigné sa victoire sur Akab, bien qu'il ne mentionne pas l'avoir fait pour venger Naboth. Jézabel a peut-être été une calamité par certains côtés, mais elle a rendu un grand service à l'archéologie. Elle apporta la destruction sur Jézreel à une date connue. La poterie peut donc être datée. Pas étonnant que l'archéologue soit son plus grand fan. Je dis toujours à ma femme, en blaguant, qu'une épouse qui est prête à commettre un meurtre parce que son mari est de mauvaise humeur est une femme parfaite et qu'on devrait suivre son exemple. La ruine qu'elle provoqua et par conséquent les poteries découvertes dans les fouilles ont pu être datées avec précision. Sam Moured était chargé de consigner les découvertes. Les poteries que nous avons trouvées dans les strates de Jézreel ont une date très proche de celle de la destruction du site dans les années 840. Cela signifie que ce sont les mêmes poteries que l'on supposait être salomoniennes à Megiddo. À 16 km de l'autre côté de la plaine de Jézreel se trouve le tertre de Tel Megiddo. Le message qui y est envoyé est de la dynamite. On a découvert des poteries du siècle suivant celui de Salomon. Et ce sont les mêmes que celles du grand palais de Megiddo. Ce palais ne date donc pas du temps de Salomon. Il n'y a pas eu de puissant empire israélite au Xe siècle. Nombreux sont ceux qui rejettent violemment cette thèse. L'intervalle entre Salomon et Akab n'est que de 100 ans. Ils n'acceptent pas que le type de poterie utilisé sous le règne d'un roi ne l'ait pas été sous celui de l'autre. Je crois que cette poterie a vécu très longtemps, qu'elle est apparue au Xe siècle et a duré jusqu'au IXe. Quelle différence y a-t-il entre le Xe et le IXe siècle? Ce ne sont que des nombres. Et je ne crois pas que les gens de l'époque, le 1er janvier 900 avant Jésus-Christ, aient réalisé qu'ils passaient du Xe au IXe siècle. Mais où sont les preuves? Mazar peut-il trouver des poteries de ce genre sur un site datant sans conteste du temps de Salomon? Il fait des recherches à quelques kilomètres de Megiddo, à Tel Rehov. Qu'avons-nous ici? Par exemple, voici une coupe, ou calice, qui fait partie d'un ensemble de six. Nous les avons trouvés aujourd'hui le long des murs, et nous les avons juste nettoyés. Avant même la restauration, on voit que ce morceau s'adapte.
Je ne suis pas un très bon restaurateur. Et où est-ce que ça va? Ah, vous voyez, c'est le pied. Ça fait une jolie coupe. Nous avons tous les morceaux, nous les avons trouvés en quelques jours. Ici, il y a un pied. Nous en avons trouvé 6 le long du mur. C'est un récipient typique des 10e et 9e siècles avant Jésus-Christ. Il est possible de dire si une jarre est plus ancienne qu'une autre, mais ça ne nous donne pas sa date exacte. Si on trouve des matériaux organiques avec les poteries, des graines ou du bois, on peut les dater scientifiquement par un procédé appelé datation au carbone 14. Nous avons trouvé un gros tas de semences sous un amas de briques. C'était donc un environnement complètement clos. Nous l'avons fait analyser au carbone 14 dans deux laboratoires et ils nous ont donné une date entre 900 et 830 avant Jésus-Christ. Le problème, c'est que la datation au carbone 14 ne précise pas l'année. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est probable à 98% que la date tombe dans une période donnée. C'est ce qui s'est passé ici. Malheureusement, la fourchette du carbone 14 va de Salomon à Akkab. Exactement cette période. On est dans le pétrin. Voici le problème. Le niveau inférieur de cette chambre abrite la poterie en question. Puis la pièce a été comblée avec des débris et une nouvelle chambre a été construite au-dessus, renfermant des poteries semblables. Combien de temps cela a-t-il pris? Nazar est sûr que la première chambre remonte au 10e siècle à l'époque de Salomon. Mon ami Israël Finkelstein prétendrait que les deux niveaux sont probablement du 9e siècle avant Jésus-Christ. Parce que pour lui, les poteries du niveau inférieur ne peuvent être du 10e siècle. Elles doivent être du 9e. Selon moi, il est impossible de condenser cette énorme stratigraphie, toutes ces phases, dans une période de moins de 70 ans. Si Mazar a raison, les poteries du Grand Palais de Megiddo et le palais lui-même peuvent être associées à Salomon. Alors, où est la vérité? Peut-être que ce qui compte, c'est que même Mazar parle de Salomon comme d'un souverain beaucoup moins puissant qu'il n'est décrit dans la Bible. L'important, c'est que ces fouilles et celles d'autres sites sont à l'image de notre vision générale de cette monarchie. Pour ma part, je ne pense pas qu'elle ait été aussi glorieuse que ce que raconte la Bible. Certainement pas. Elle était beaucoup plus modeste et bien moins glorieuse et puissante qu'on ne l'imagine à la lecture des histoires de David et Salomon. Mais combien plus modeste? Peut-être Salomon n'était-il rien de plus qu'un chef de tribu local mythifié, ce qui nous ramène à Jérusalem. Est-il possible que des sites à l'architecture monumentale aient été dirigés à partir d'une ville, Jérusalem, où il n'existe presque aucun vestige du 10e siècle, aucun témoignage de Salomon? Jérusalem était probablement un village très pauvre, ou une petite ville à l'époque, alors qu'ici, nous avons une architecture monumentale. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a un groupe de gens en Israël qui a sa propre version de l'histoire, et qui pourrait expliquer comment il est possible qu'un vrai Salomon ait existé sans grande capitale à Jérusalem. C'est la cérémonie annuelle de la Pâque des Samaritains, des gens qui affirment descendre des habitants du royaume d'Israël d'Akkab, ou Samarie, celui qui fut détruit par les Assyriens en 721 avant Jésus-Christ. Si vous cherchez les tribus perdues d'Israël, vous êtes au bon endroit. Ici, sur le mont Gérizim. Dans la tradition juive, Jérusalem, la montagne sur laquelle Salomon a bâti son temple, est celle où Abraham devait sacrifier Isaac. C'est ici qu'étaient célébrés les grands sacrifices de la Pâque. Et c'est ici que les Samaritains font leurs sacrifices. Ils croient que Jérusalem n'a pris une importance particulière que longtemps après Salomon. Lorsque la Samarie, le royaume du nord d'Israël, est ravagée par les Assyriens, les réfugiés inondent le royaume du sud de Juda, accroissant soudainement la population de Jérusalem. Puis Juda est anéanti par les Babyloniens et Jérusalem détruite. Les Juifs sont dispersés. 70 ans plus tard, on leur permet de revenir et de reconstruire un nouveau temple. Les Samaritains, héritiers du royaume du Nord, soutiennent encore que lorsque cela se produisit, les traditions associées à leur propre site sacré furent transférées en bloc à Jérusalem. Ils croient qu'un Salomon a existé, mais rejettent les livres de la Bible qui décrivent Jérusalem comme sa capitale. Aujourd'hui, la version samaritaine de l'histoire a l'appui d'universitaires.
Les gens qui ont élaboré les histoires bibliques à l'époque de l'exil babylonien ont vu Jérusalem à son apogée, à son âge d'or, comme si c'était la capitale. Je suis sûr que la tradition vient de là. Personne ne peut être certain de l'existence de Salomon, ni de son temple. Nous sommes au sanctuaire du livre, bâti pour célébrer les manuscrits de la Mer Morte. Jusqu'à leur découverte, la version la plus vieille de l'Ancien Testament avait 1000 ans. Les manuscrits ont 1000 ans de plus. Mais les histoires sur Salomon et son temple remontent encore 1000 ans en arrière. Ont-elles été écrites par des témoins oculaires, des journalistes, des historiens, ou bien réécrites ou inventées des siècles plus tard par des gens qui tentaient d'enseigner la version de l'histoire à laquelle ils voulaient faire croire? La prochaine fois, j'espère obtenir une réponse. Dans cette série, je tente de découvrir ce qui se cache derrière l'histoire biblique des Israélites. Une histoire ayant engendré des passions qui flambent encore aujourd'hui, j'en sais quelque chose. Pendant la majeure partie des 2000 ans qui viennent de s'écouler, elle a été prise au pied de la lettre. Mais récemment, certains chercheurs ont affirmé que c'est une invention du début à la fin, sans rapport avec la vérité historique. Je vais essayer de trouver une réponse. Ce que raconte la Bible, est-ce mythe ou réalité ? L'État d'Israël existe dans le cadre de l'histoire biblique. Il a été fondé ici plutôt qu'ailleurs parce qu'ici était l'Israël de l'Ancien Testament. À l'époque, il a dû lutter pour exister, et il lutte toujours. Uri, nous sommes très haut et notre vue s'étend dans deux directions. Que regardons-nous exactement ? Nous contemplons la Syrie. La Syrie et Israël sont en état de guerre depuis plus de 50 ans. Uri Zelzion, un Israélien, vit en territoire syrien occupé, dans les hauteurs du Golan. Quand a-t-on construit ce bunker ? Après la guerre des six jours, en 1968. A-t-il été utilisé en temps de guerre ? Oui, en 1973, les Syriens l'ont lourdement mitraillé. Ce que nous entendons maintenant, c'est le bruit de la vraie bataille en 1973 dans la vallée des larmes. Il y a eu une énorme bataille de chars entre les Israéliens et les Syriens. C'est ce bruit qu'on entend. C'est le vrai enregistrement. Oui, c'est le vrai enregistrement. L'ancienne histoire biblique d'Israël est très importante pour moi. Je me considère comme un Israélien et un Juif. Je peux ne pas être religieux et ne croire en rien, ça fait partie de moi, personne n'y peut rien. Mais je fais partie de la famille juive, ou de la nation juive, comme on veut. Pour moi, la Bible n'est pas destinée qu'aux croyants. Je peux la lire aussi. Et c'est un bon livre d'histoire. L'histoire de la Jérusalem antique, telle que la raconte la Bible, est devenue une attraction dans la Jérusalem moderne. La Bible dit que Dieu a libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte et que ceux-ci, dévoués à son culte, ont conquis Canaan. Depuis ce jour, la flamme de la foi brûle ici et le roi David y a bâti sa capitale. Cette ancienne flamme, la flamme de la foi, a brûlé dans le temple que Salomon construisit sur cette colline même. L'histoire que j'ai découverte est très différente de celle de l'Ancien Testament. Canaan était une province égyptienne. Les salles cananéennes du British Museum renferment nombre d'objets égyptiens trouvés là. Vers 1200 avant Jésus-Christ, le pharaon Ramsès III doit défendre l'Égypte contre des vagues d'envahisseurs venus de la mer. Des populations entières se déplacent, dont les Philistins. La domination égyptienne s'effondre au moment où les Philistins s'installent à Canaan. En cette période de chaos, des gens, apparemment des Cananéens, s'installent avec leur bétail sur des terres inhabitées dans les collines. Ils s'appellent eux-mêmes les Israélites.
il n'existe aucune preuve qu'ils venaient d'Égypte. Mais ils ont choisi de ne pas manger de porc. Finalement, au IXe siècle, naît le royaume d'Israël, où l'on adore les dieux de Canaan, et dont le dieu principal se nomme Yahvé. Jérusalem ne se trouve pas dans ce royaume. Elle est située plus au sud, dans une région moins développée, Juda. Alors pourquoi l'Ancien Testament raconte-t-il cette histoire? Pourquoi et quand a-t-il été écrit? Les traces les plus anciennes du texte se trouvent au sanctuaire du Livre, à Jérusalem. Sanctuaire, un nom bizarre pour un musée. Mais ce texte est sacré. Les parchemins les plus anciens remontent au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils représentent une tradition de copie minutieuse de ce qu'on appelle les cinq livres de Moïse, la Torah, toujours en usage aujourd'hui. I am Sophie. Every word has to be... On doit faire résonner chaque mot à voix haute avant de l'écrire. Et chaque lettre doit être dite en même temps qu'on l'écrit. Le texte des rouleaux de la Mer Morte est parfaitement identique. Il est vrai que nous n'avons que des fragments de la Torah, mais nous avons déterminé que les copies étaient identiques. Les rouleaux de la Mer Morte sont écrits sur une peau d'animal cacher, et j'en fais autant. Ils sont écrits avec une encre particulière que je fabrique selon une recette vieille de 2000 ans. Dans les rouleaux, chaque partie de la Torah devait être vérifiée avec la même précision et de la même manière que je le fais. Et pour s'assurer de la parfaite précision de sa copie, le scribe ne lit pas le livre qu'il écrit, il en compte les lettres. Son travail, à la fin de l'écriture de chaque partie de sa Torah, est de compter et de s'assurer qu'il ne manque aucune lettre. Puis, quand il a terminé l'écriture de tout le rouleau, il doit tout recompter, du début à la fin. Pour écrire le nom de Dieu, le scribe doit se purifier par un bain rituel. Les scribes qui ont rédigé les manuscrits de la Mer Morte utilisaient aussi ces bains. Mais à quand remonte cette tradition des copistes? Au temps décrit dans les livres de la Bible ou au temps des manuscrits de la Mer Morte? La Bible, ancienne et véridique, ou pas si vieille que ça, est fausse? Elle contient pourtant des détails précis sur la vie telle qu'elle était bien des siècles avant que les manuscrits ne soient copiés. Ma traduction de la Bible dit « Il ne se trouvait aucun forgeron sur toute la terre d'Israël. Tous les Israélites allèrent chez les Philistins pour que chaque homme fasse aiguiser le soc de sa charrue et sa hache, et ils avaient une lime. » Apparemment, le mot « lime » est une supposition. L'hébreu dit « une charge d'un pim ». Mais la signification en a été oubliée il y a plus de 2000 ans. Ce n'est que lorsque les archéologues ont découvert ces poids de pierre en forme de petits dômes et qu'ils les ont retournés qu'ils ont vu écrit « Pim ». Tout simplement. Et alors en un instant, tout est devenu beaucoup plus clair. Nous avons compris qu'ils parlaient de peser de la monnaie, de l'argent servant à payer l'aiguisage des outils. Mais l'événement historique le plus lointain de l'Ancien Testament qu'on puisse relier à des vestiges connus, est consigné sur ce monument datant des années 840 avant Jésus-Christ. Il commémore la victoire du roi Moabite sur le roi d'Israël. La Bible dit que les Moabites ont perdu. Ça ressemble à l'histoire telle que nous la connaissons et les monts, relation partielle d'événements réels. À partir de ce moment, on trouve l'écho de l'histoire de la Bible dans certains documents d'un nouvel empire, l'Assyrie. L'Assyrie fait de la sauvagerie un art. Prisonniers écorchés vifs, vautours transportant des entrailles humaines, piles de têtes humaines. Ni Israël ni Juda n'avaient jamais rien vu de tel. C'était un empire d'une toute autre envergure,
inimaginables, aux politiques très différentes. Auparavant, lorsqu'on traitait avec l'Empire égyptien, les paiements étaient négociés en termes de tributs, d'impôts. Les Assyriens étaient complètement différents. Si on leur opposait la moindre résistance, ils vous tombaient dessus à bras raccourcis. Le taux d'imposition, le butin, le tribut qu'ils exigeaient était absolument écrasant. Et ils avaient pris le contrôle de la région. Ils en avaient pris le contrôle administratif et placé leur propre gouverneur. Et nous savons qu'en prenant leurs fonctions, ils ont déporté des pans entiers de population. C'est ce qui est arrivé à Israël. C'est exactement ce qui s'est passé. En 722 avant Jésus-Christ, les troupes assyriennes font marche vers le sud et rayent Israël de la carte. Elles prennent note qu'elles ont déporté 27 290 habitants. C'est la fin de l'histoire d'Israël. Pour la première fois dans l'histoire ancienne du Moyen-Orient, toute la région est contrôlée par un seul pouvoir politique. Les peuples se mélangent. Les Assyriens mènent une politique d'échange de population. Alors que tous les autres sont jetés dans le gigantesque malaxeur assyrien, le petit royaume de Juda en réchappe. Et Jérusalem s'étend. Des réfugiés sont venus à Jérusalem. Certains historiens ont suggéré que des réfugiés d'Israël, le royaume frère du Nord, sont venus en Judée après leur conquête par les Assyriens sous Sargon II. Une partie de la population a été exilée en Assyrie, et l'autre s'est enfuie. Elle a même été invitée par le roi Ézéchias, comme il est dit dans la Bible. Après 722 avant Jésus-Christ, tous les États du Moyen-Orient sont anéantis. Mais Juda décide de ne pas se soumettre. Comme l'Angleterre en 1940, le pays fait face tout seul. Les forteresses frontalières de Juda affrontent un ennemi si puissant que même l'Égypte est condamnée. Quels étaient les risques? L'aventure semble folle. D'une témérité absolue, franchement. Ils devaient être de parfaits idiots. Ils devaient avoir vu et compris ce qui était arrivé ailleurs et qui risquait fort de leur arriver. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils ont résisté aux Assyriens comme ils l'ont fait. Peut-être qu'à l'instar des Anglais en 1940, ils croyaient que c'était une guerre du bien contre le mal et qu'ils n'avaient pas le choix. À la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, toutes les nations entourant Juda ont disparu. Leur dieu s'incline devant la Syrie. Chacune d'elles vénère un groupe de dieux, mais elles ont toutes un dieu tutélaire. Lorsque l'on conquiert une région, on dit « Notre dieu national a renversé le vôtre. Il l'a chassé à un niveau inférieur du panthéon. » À présent, tous sont rabaissés, soumis à Assur, dieu de la Syrie. Non seulement Juda est seul, mais également Yahvé, son dieu principal. Serrant les rangs pour faire front, le roi Ézéchias ferme tous les lieux de culte à l'extérieur de Jérusalem. Dans le temple de Jérusalem, aucun dieu ne peut être adoré en dehors de Yahvé. L'attaque vient en 701 avant Jésus-Christ. Voici Lachish, bastion clé de Juda à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale, Jérusalem. C'était probablement le deuxième centre du royaume en importance. La Bible raconte sa défaite devant Sennachérib. Sennachérib, lui, raconte sa victoire sur un immense bas-relief dans son temple de Ninive. Là, vous voyez les troupes en marche, les béliers et l'immense rampe qu'ils construisirent pour escalader les murailles de la ville. Voici la rampe. Une fois cette ville prise, le royaume de Juda se réduit à Jérusalem, rien de plus. Sennachérib dit qu'il a enfermé Ézéchias, roi de Juda, dans Jérusalem, comme un oiseau dans une cage. Une cage bien préparée, qui dispose d'un approvisionnement en eau bien protégé. Sennachérib ne peut y entrer, mais Jérusalem est tout ce qui reste des royaumes d'Israël et de Juda. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous aurions disparu comme Sodome et Gomorre.
Mais ce reste est bien là, brûlant de défis. Vers 620 avant Jésus-Christ, sous un autre roi, Josias, Judas rejette les dieux étrangers encore plus fermement. Tout ce qui se rapporte aux dieux adorés par les Assyriens est détruit. Yahvé ne ressemble pas aux autres dieux. Cerné par le mal, son peuple doit défendre la justice et se tenir à part. Alors, disent les prophètes, il pourra garder sa terre. Si tu n'opprimes pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, et que tu ne répands pas de sang innocent en ce lieu, ni ne marches derrière d'autres dieux pour ton malheur, alors je te ferai demeurer sur la terre que j'ai donnée à tes pères à jamais. À ce moment, 100 ans après la chute du royaume du Nord, un livre fait son apparition. Shaphan, le scribe, montra le livre de la Torah au roi et lui dit « Hilkia, le sacrificateur, m'a donné un livre ». Et Shaphan le lut devant le roi. C'est la première référence à l'existence d'un texte écrit. On l'appelle le rouleau de la Torah. Et il semble être le cœur de la Bible hébraïque. Mais est-ce un texte ancien ou Shaphan l'a-t-il écrit lui-même? Tout autre scribe le saurait. C'est incroyable ce qu'un scribe peut dire d'un autre scribe. Eric Ray n'a jamais vu ce rouleau du 19e siècle. Je vois que le sommet du Alep est un peu relevé, afin de pointer vers Dieu pour dire « nous sommes bénis par Dieu ». Cela ne se faisait qu'en Tchécoslovaquie et je le vois dans l'Écriture. Mais en Tchécoslovaquie, il y avait un angle qui changeait quand on arrivait en Pologne. Ceci me dit que c'était un scribe tchécoslovaque qui écrivait en Pologne. Ce que j'étudie ensuite, si vous regardez sur le côté, vous voyez que le shin est incliné par là. Et pour y arriver, il faut se tenir loin de la table. Cela m'indique que c'est un gros homme qui écrit. Ensuite, je vois qu'il y a de grands espaces entre les lettres de certains mots, mais pas tous, ce qui n'arriverait pas chez un homme petit qui voit bien et garde une cohésion. Nous savons donc que c'est un homme grand et ventru, ce qui me donne une bonne idée de qui était le scribe. Voici le sceau d'un scribe datant environ de 620 avant Jésus-Christ. Il aurait pu voir le rouleau que Shaphan rapporta au roi et en tirer ses conclusions. Il était le scribe de Jérémie lui-même. En fait, le sceau de Baruch, le scribe de Jérémie, n'a pas été découvert sur un site archéologique. Il a été acheté chez un antiquaire. Il est surprenant de voir combien de pièces archéologiques d'importance sont trouvées, non grâce à des fouilles minutieuses et coûteuses, mais dans les arrière-boutiques de quelques marchands de Jérusalem. Ça date du roi David. C'est ça? Aussi du roi David, un vase à huile. C'est le vase à huile, et avec ça, ça fait un ensemble. C'est exact. Ça date de l'Ancien Testament. Je voudrais celui-ci. La plupart des gens qui trouvent des antiquités de valeur sont des paysans, des villageois. Ils ne connaissent pas les bons circuits pour aller voir les musées, alors ils nous les apportent. Les marchands jouent un rôle important en fournissant aux archéologues des informations sur les anciennes civilisations. Mais parfois, les anciens témoignent eux-mêmes. Jérémie et probablement son scribe Baruch ont laissé leurs commentaires sur le rouleau de Shaphan. Comment pouvez-vous dire « nous avons la loi de Yahvé » ? Elle a été changée en mensonge par la plume trompeuse des scribes. Et tous les spécialistes que j'ai rencontrés sont persuadés qu'il est assez récent. Les livres du Deutéronome, Josué, les Juges, les livres de Samuel et des Rois ont été transcrits au 7e siècle, bien qu'il soit possible, bien sûr, qu'ils contiennent des textes antérieurs. C'était une histoire qui avait une temporalité, un objectif. Elle visait à montrer que l'obéissance à Dieu, et seulement l'obéissance, permettrait au peuple de Juda de demeurer sur la terre qui lui restait. Cette terre était le don de Dieu. C'était démontré dans des histoires comme celle de la chute des murs de Jéricho. Yahvé, votre Dieu, vous a donné le repos, et il vous a donné cette terre. Dans ce conte, Dieu leur a promis non seulement la terre qu'ils habitent, mais une vaste région. Yahvé conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta postérité, je donne ce pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. »
Et jadis, dans cette légende, il possédait réellement cette terre, au temps de Salomon. L'histoire parlait d'un peuple qui s'était élevé du plus bas. Il s'était libéré de l'esclavage par le Dieu qui contrôle le monde pour se répandre sur la terre de Canaan. Et comme l'expliquaient les prophètes, s'ils manquaient à leur loyauté envers Yahvé, ils les détruiraient. Alors la colère de Yahvé s'enflammera contre vous et vous périrez rapidement, loin de la bonne terre qu'il vous a donnée. C'est une leçon du passé qui indique l'importance de bien se conduire vis-à-vis de Dieu si on veut conserver la terre. Elle amène une réflexion beaucoup plus profonde sur la relation à Dieu et à l'Alliance, et sur toutes les responsabilités qu'elle implique. Si vous désobéissez, dit le Lévitique, la terre vous vomira. Elle l'a fait. Le roi Josué de Juda utilise la Torah comme constitution de son état. Mais un pouvoir nouveau et encore plus puissant remplace les Assyriens. Et en 587 avant Jésus-Christ, le souverain babylonien Nabuchodonosor détruit Jérusalem et envoie des milliers de personnes en exil. Au bord des fleuves de Babylone, nous nous sommes assis et nous avons pleuré au souvenir de Sion. Mettez-vous à la place des Juifs. Peut-être auriez-vous l'impression d'avoir offensé les dieux que Josué a piétinés, Baal et Asherah. Et qu'arrive-t-il ? Babylone est conquise par Cyrus, l'homme de l'Antiquité qui se rapproche le plus d'un chevalier en armure étincelante. Il dit aux Juifs, « Retournez à Jérusalem, reconstruisez le temple et pratiquez votre religion. » Vous vous diriez peut-être que Josué avait raison depuis le début. Et de retour à Jérusalem, le peuple de Juda, les Juifs, complète le texte de ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Le fait est qu'il existe dans la Bible de nombreuses parties d'importance secondaire qui ont un rapport avec des événements historiques réels ou des informations, des témoignages. Mais ils sont secondaires. Ils ne servent qu'à véhiculer le message sous-jacent. Le véritable objet du texte réside dans son message. C'est la relation particulière du peuple juif à celui qu'il reconnaît maintenant comme Dieu unique. Une relation qu'ils ont projetée dans le passé, qu'elle ait été comprise par leurs ancêtres ou non, et qui signifiait qu'ils devaient non seulement adorer Yahvé, mais aussi faire le bien. Alors Dieu leur permettrait de posséder la terre. Ce sentiment est toujours vivant. La terrible ironie, c'est que l'exigence de moralité est liée à la possession de la terre. La chrétienté et l'islam ont hérité des deux paramètres de cette dangereuse équation. Et pour beaucoup d'Israéliens, religieux ou non, cet État ne peut échanger la terre contre la paix sans trahir son autorité morale. Je ne me considère pas comme un élu. J'essaye d'être normal, comme vous. Mais j'ai une longue histoire. J'appartiens à la nation juive. Je veux le rester. Et cet endroit fait partie de ma terre. On l'appelle la terre promise ou l'État d'Israël, c'est mon pays. Je vis ici, je suis né ici, mes enfants aussi, et j'espère que mes petits-enfants naîtront ici. Les questions sur l'archéologie, sur le passé et sur l'échange de terres contre la paix ramènent tout au même point. Israël peut-il devenir un État comme les autres, qui pourrait se trouver n'importe où ? Le doit-il ? Vivrions-nous mieux sans terre sainte ? La vision de la Bible sur l'Israël de l'Antiquité raconte une histoire si puissante qu'elle a façonné les traditions chrétiennes et musulmanes autant que celles des Juifs. Et ce pays est devenu la terre sainte de tout le monde. Sainte, spéciale, séparée et provoquant des querelles sans fin. Mais les trois religions s'accordent sur un point. Quand Dieu apportera enfin la paix à cette terre, l'histoire elle-même arrivera à son terme. Alors, quelle est la réponse finale, définitive sur la Bible ? Affaire à suivre.